partie du cimetière de Kinkolé, cette marche de santé a eu pour point de chute le camp David Anselé. Plus de 5 km parcourus, voilà le trajet que Jenny Kandé, l'homme orchestre de cet exercice physique, accompagné de sa famille, amis et membres de la fondation qui porte son nom, ont accompli. C'est à l'occasion de son anniversaire que le candidat député national, dit Papa Social, a invité les siens à cette activité bénéfique pour la santé. Après 3 heures de marche, les marcheurs ont eu droit à un verre. Donc merci à le futur honorable qui est devenu déjà honorable. Et cette fois-ci, avec la dynamique, la question qui est, je sais pas si ça va aller avec Jenny Kandé. Et joyeux anniversaire. Pour un de plus à Papa Social, nous voulons des jeunes comme ça, avec une dynamique. Je suis sûr que non, ça va aller. Et que Dieu bénisse un an de plus de son âge. Convaincue de son slogan « Le sens du combat », Jenny Kandé a exprimé sa gratitude à Dieu tout en indiquant le sens véritable de l'événement du jour. Dire merci à mon Dieu, 42 ans aujourd'hui, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça prouve que Dieu nous aime parce que nous avons, avec la vision qu'il nous a donnée, je crois que nous devons faire encore mieux et remercier Dieu et être en bon terme avec tout le monde pour bénéficier encore des années, beaucoup d'années. Papa Social parle de l'autonomisation de la femme, son combat chéri. J'ai toujours pris la femme comme l'unique force de ma vie. Sans la femme, je ne peux rien faire. Dernièrement, vous avez suivi que j'étais sur le terrain pour sensibiliser la femme sur la prise en charge. Et aujourd'hui, la femme a compris les messages, la femme a compris les projets. Parce qu'on ne vient pas en politique sans projet. Et aujourd'hui, comme j'ai un projet sur la femme, et elle a préféré accompagner ce Jenny Kandé. C'est pour cela que vous voyez les mamans ici. Il y a des délégations, comme je suis à Lukunga, je crois. Vous trouvez des délégations de Lingwala, Barumbu, commune de Kinshasa, Kitambo, Ngaliema et aussi Mongafula. Et c'est ça qui justifie la présence de mamans ici. La fondation Jenny Kandé, dotée de cette vision, est ouverte à toute personne sensible à la même cause.